Il y a des joueurs qui ont tout. Le talent, le physique, l'élégance. Des joueurs qu'il est facile d'aimer, à qui il est facile de pardonner quand ça ne va pas. Alors que d'autres, qui à la force de leur travail ont su se hisser au niveau de ces surdoués, mais qui ne tombent pourtant pas dans les bonnes grâces du public. C'est comme ça, ils n'y peuvent rien. Il leur manquera toujours ce truc. Un nom stylé, un physique avantageux, une opportunité de carrière qui ne vient jamais, ou tout simplement, un titre. Et moi, ça me rend dingue, je déteste l'injustice, surtout envers ceux qui travaillent très dur, donc je veux leur rendre hommage dans cette vidéo. Pour exprimer mon ressenti un petit peu plus clairement, j'ai créé trois catégories. Légèrement sous-coté, bien sous-coté, et totalement sous-coté. Bon, pas besoin de m'attarder là-dessus, je pense que c'est assez explicite. Et je précise évidemment que ce n'est que mon ressenti, et que ce ressenti ne se base que sur l'opinion publique française. Dans leur pays respectif, je ne sais pas, je n'y vis pas, logique. Allez, on commence tranquille avec les joueurs légèrement sous-cotés. Et pour ça, j'ai envie de commencer avec Alexander Isak. Parce que lui, autant l'année dernière, c'était quand même assez logique que la hype ne soit pas au rendez-vous, puisque ses débuts avec Newcastle n'étaient pas mauvais, loin de là, mais ça restait quand même assez timide, et il était quand même assez souvent blessé. On va dire que c'était prometteur, mais c'était encore en dessous des standards d'un joueur qui venait d'être recruté pour 70 millions d'euros. Il n'était pas encore la tête de gondole du projet saoudien, comme on l'imaginait avec ce transfert. Autant cette année, je trouve qu'il le justifie bien, son transfert. Au moment où je tourne cette vidéo, il a déjà 21 buts au compteur en 34 matchs toutes compétitions confondues, dont 17 en première ligue. Dans les grands matchs, il répond présent. Doublé contre Tottenham, buteur contre City, Liverpool, Chelsea à l'aller et au retour. Moi, il y a un but qui m'a particulièrement marqué cette saison, c'est celui contre Aston Villa. Alors, je te mets pas les images parce que sinon je vais me faire strike, mais si tu veux aller voir, tu regardes, c'est le deuxième but qu'il avait mis ce jour-là, c'était le match aller en tout début de saison. Mais vraiment, regarde-le, parce que pour moi, dans ce but, il y a tout. Il y a tout ce qu'on peut demander à un attaquant aujourd'hui. Le pressing, la vitesse, la technique, le geste subtil pour marquer. Vraiment, c'est parfait. Et puis ce qui me frappe avec lui à chaque fois, c'est le calme qu'il a devant le but. Regardez le temps qu'il prend à chaque fois pour choisir le bon geste pour ajuster le gardien. Ah non, franchement, Alexander Isak, c'est très très fort. Il a vraiment toute la panoplie pour devenir un très grand neuf dans ces années qui arrivent. Mais malgré toutes ses belles qualités, j'entends rien sur lui. Rien, peut-être que j'abuse un petit peu, mais en tout cas, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Limite, je trouve qu'il y avait plus de hype autour de lui quand il jouait encore à la Real Sociedad. Alors, tu me diras ce que t'en penses, hein, mais moi, je vois trois raisons probables à ce manque de hype. Numéro 1, il ne joue pas dans le bon club. Malgré l'argent, Newcastle bosse de manière assez discrète, n'a pas un style de jeu qui plaît aux puristes et ne fait pas un grand parcours en première ligue. Numéro 2, son physique. C'est très con, mais souvent, les joueurs sous-cotés sont juste moins beaux que les autres. C'est très superficiel, mais c'est un vrai biais cognitif que beaucoup ont. Ça s'appelle l'effet de halo. En gros, une personne perçue comme belle a plus de chances d'être considérée comme plus compétente. Et le fait qu'Alexander Isak soit le sosie de Stromae, ça doit pas aider. Regardez Viktor Gyökeres, l'autre Suédois à la mode en ce moment. On en parle autrement plus qu'Isak cette saison, alors que lui joue pourtant dans un championnat moins fort et moins exposé médiatiquement. Mais lui, il a du flow. Et raison numéro 3, ses performances en Ligue des Champions. C'est la compétition reine, le juge de paix ultime pour le grand public, et on ne peut pas dire que cette saison, il est particulièrement brillé dans cette compète. Compétition qui, soit dit en passant, nous régale cette saison. Hein. Les demi-finales qui arrivent là, ah j'ai très très hâte. Hein. Bayern Real, Dortmund PSG, ah je ne veux en louper aucun des deux. Et toi, si tu n'as pas d'abonnement pour regarder ça, écoute bien parce que j'ai un très bon plan à te proposer. Que ce soit la Ligue des Champions ou l'Europa League, ou même la Formule 1, ces compétitions sont diffusées gratuitement en Belgique. Alors je sais que vous n'êtes pas tous belges ici, bien sûr, mais avec NordVPN, tu peux te connecter en littéralement deux clics au serveur de ce pays et en profiter peu importe où tu habites. Et l'astuce marche également en Espagne pour la Liga et en Angleterre pour la Première Ligue. Et si tu es déjà abonné aux chaînes payantes et par exemple tu es en voyage cette semaine, et bah tu vas devoir utiliser un VPN pour accéder à tes comptes. Donc là aussi, tu as besoin de NordVPN. Et dernier type au passage, si tu te connectes sur un serveur en Albanie, tu n'as pas de pub sur YouTube. NordVPN, c'est également le VPN le plus rapide du marché, il est hyper simple à utiliser et surtout, c'est un outil essentiel pour protéger tes données. Et si avec tout ça, tu n'es pas satisfait, tu peux te faire rembourser pendant les 30 premiers jours. En passant par mon lien en description, tu as 4 mois offerts si tu prends un abonnement de 2 ans, donc ton abonnement te revient à peu près à 3 euros par mois. Comparé au prix des chaînes de foot, ça fait quand même une sacrée différence. Bref, n'hésite pas à tester ça, amigo, et merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Autre joueur que je trouve légèrement sous-coté,
Hakan Çalhanoğlu, un joueur que j'ai longtemps trouvé un poil décevant, mais qui cette année me régale. Ah, le milieu de l'Inter, Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, c'est totalement ma came. Ça bosse dur, c'est discipliné tactiquement, mais c'est aussi créatif et fin techniquement que demande le peuple. On en a déjà parlé en live, mais vraiment j'insiste, l'Inter d'Inzaghi ces deux dernières saisons, ça me régale. Mais Çalhanoğlu, dans ce rôle de milieu de terrain pointe basse, de Regista façon Andrea Pirlo, ah là on mange très très bien. Entrée, plat, dessert, trou normand et le tout avec élégance, s'il vous plaît. On connaissait sa grosse qualité de frappe et sa créativité, mais dans ce rôle de Regista, avec le jeu bien devant lui, il a une toute autre influence sur le jeu. Ses passes amènent systématiquement du danger, il joue toujours vers l'avant, il a encore plus d'opportunités de tirer au but. 11 buts cette saison en Serie A. Hein. Bon, par contre, seulement 3 passes décisives. D'accord, c'est vrai que ça pique un petit peu, mais ceci dit, si on regarde bien les matchs, on voit quand même la qualité de passe. Jeu court, jeu long, même si elles ne sont pas forcément décisives, ses passes très souvent amènent du danger et amènent des buts. C'est peut-être qu'il est à l'avant-dernière passe. Et ce qui m'a étonné aussi dans ce nouveau rôle, c'est que même dans la partie défensive, franchement, il est pas dégueulasse. Les kilomètres, il est fait. Alors ok, c'est pas N'Golo Kanté, on est bien d'accord. Mais pour un meneur de jeu en retrait, il fait plutôt bien le taf quand même. En tout cas, pour ma part, je suis conquis. Depuis la blessure de Brozovic et ce replacement un cran plus bas, je pense qu'il est réellement devenu un top player. Mais hormis les supporters de l'Inter, j'ai l'impression qu'on est assez peu à le penser. Alors peut-être que sa réputation a pris un coup avec son transfert du Milan à l'Inter. Peut-être aussi que le fait qu'il ait fallu attendre ses 29 ans pour le voir atteindre ce niveau fait qu'aujourd'hui on a un peu perdu patience. C'est vrai qu'on a toujours un peu plus du mal à s'extasier sur les performances d'un joueur qui approche de la trentaine. Généralement, le grand public aime plutôt dénicher la nouvelle pépite. Et peut-être aussi parce que la Serie A est un championnat qui est toujours en reconstruction et qui, malgré le bon travail qui a été fait par pas mal de clubs, dont l'Inter ces dernières saisons, ce championnat souffre encore d'un petit manque de reconnaissance, je pense. Allez, on continue avec un joueur de notre bonne vieille Ligue 1, avec un joueur qui a de la magie dans les pieds, mais dont on n'entend quasiment jamais parler, Alexandre Golovin. Quel joueur! C'est fin, c'est beau à voir jouer et c'est efficace, tout ce qu'on aime. 6 saisons qu'il est là sous nos yeux, et hormis les supporters de Monaco et quelques puristes, on n'entend rien sur lui. Après, je le mets quand même dans la catégorie des légèrement sous-cotés. Il a quand même sa petite réputation, il passe pas non plus complètement inaperçu. Et c'est vrai que ce manque de reconnaissance peut quand même s'expliquer de manière assez rationnelle. Déjà, il est quand même assez irrégulier. Dans les gros matchs, il passe quand même régulièrement à travers. Puis de manière très générale, j'ai toujours l'impression qu'avec lui, c'est tout ou rien. Puis il se blesse pas mal aussi, donc pas très fiable comme garçon. Et même si ses stats sont généralement assez bonnes, je pense qu'il pourrait être un peu plus tueur devant le but notamment. Donc je peux comprendre qu'il manque quand même quelques trucs pour qu'il puisse réellement passer dans le star system. Surtout qu'en plus, depuis qu'il est arrivé à Monaco, on peut pas dire que l'ASM brille particulièrement, donc ça non plus, ça n'aide pas à être mis en valeur. Mais malgré tout, je trouve qu'il mérite quand même un peu plus de hype. On parle beaucoup d'Aston Villa cette saison, de ses grosses perfs en première ligue, du retour en grâce du très moqué Unai Emery. Et à juste titre. Mais au final, on parle assez peu de ces joueurs. Alors certes, il y a quelques éloges sur Douglas Luiz, il y a quelques Marseillais nostalgiques de Bouba Camara qui s'extasient sur Twitter, mais à part ça, les autres passent un peu au travers, je trouve. Bon, évidemment, on va pas s'extasier sur Martinez, on est français. Mais on a un français qui marche bien dans cette équipe et qui revient de loin, qui plus est, Lucas Digne. Ce bon vieux Lucas Digne, il nous fait quand même une sacrée saison. Lui qui était encore un flop la saison dernière à Birmingham, qui s'était fait prendre sa place. L'été dernier, moi j'étais tout content parce qu'il était à deux doigts de partir et de signer à l'OGC Nice. Au final, il est resté. Le titulaire à gauche était blessé à ce moment-là, donc il a eu du temps de jeu de suite. Il a fait une très très bonne intersaison et il s'est réellement imposé. Et depuis, c'est masterclass. Sa place, il ne l'a jamais lâché. Alors, je dis pas que ça y est, c'est devenu enfin le nouveau Lizarazu qu'on nous promettait à une certaine époque. Mais quand même, il est redevenu extrêmement solide. Ses centres sont toujours aussi bons. Il a toujours une très grosse activité. Il est toujours aussi généreux sur le terrain. Il est redevenu fiable. Je trouve dommage qu'on n'en parle pas un petit peu plus quand même. Alors celui-là, c'est votre choix. Je vous avais posé la question sur mon compte Instagram. Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas, le lien est dans la description. C'est votre choix, mais de moi-même, je dois l'avouer, je ne l'aurais pas forcément mis. Donc peut-être que moi aussi, je le sous-cote. Mais on va s'y coller. Pedro Chirivella. Alors je suis d'accord, hein, c'est un très bon joueur de Ligue 1, pas de souci, et certainement que par moment il mériterait d'être un peu plus mis en lumière. C'est vrai aussi qu'il pourrait certainement prétendre à jouer dans un meilleur club.
Alors, peut-être pas un club qui joue la Ligue des Champions régulièrement, mais au moins un club qui joue au moins l'Europa League. Je sais pas, un bon club type Lille, par exemple, je trouve que ça serait sympa pour lui, ça serait à son niveau. Pourquoi pas pour l'après Benjamin André, pourquoi pas? Bon, légèrement sous-coté, je vous l'accorde, ok. Après, c'est pas vraiment étonnant, hein. Il subit le sort classique des milieux défensifs. Ses qualités principales, c'est quoi? La passe, l'intelligence de jeu, l'endurance? Ça, le grand public, il s'en cogne. Le grand public, il veut des joueurs frissons, il veut des dribbleurs, des sprinteurs, des mecs explosifs, des mecs qui crèvent l'écran. Pas des cerveaux. En plus, physiquement, il est assez banal. Si au moins il avait le flow d'Andrea Pirlo. Ok. Et pour ne rien arranger, il joue dans une équipe qui est plutôt habituée à finir en deuxième partie de tableau. Donc ça non plus, ça n'aide pas à être mis en valeur. Si je vous dis joueur sous-côté et Bayern Munich, je pense que vous allez tous me répondre à l'unisson. Thomas Müller, ça fait des années que tout le monde dit, et moi-même, hein, je m'inclus dedans, qu'il est extrêmement sous-côté, ce bon vieux Thomas Müller, mais à force qu'on le dise, c'est bon, je pense qu'on a compris et je pense qu'il n'est plus sous-côté. Pareil pour Heung-Min. Mais dans le genre allemand monstrueux dont plus personne ne parle aujourd'hui, alors que ça fait quoi, 4 ou 5 ans je crois qu'il ne joue plus, Bastian Schweinsteiger, bordel. Tout le monde l'a oublié. Si le Bayern et la Mannschaft ont été des machines de guerre durant la dernière décennie, je pense que ce bon vieux Schweini en était le moteur. Le volume de jeu, la puissance, l'intelligence. C'était tellement complet. Et puis ses frappes, bordel. Coupe du Monde 2006, match pour la 3ème place. Portugal-Allemagne. Ces deux énormes bastos à 30 mètres des buts. Ah, je m'en souviens bien, hein. J'ai encore mal au cul. Non, franchement, on n'a pas le droit de l'oublier comme ça. Surtout qu'en plus, je ne vois aucune raison rationnelle à cet oubli. Alors celui-là, c'est la suggestion d'Amaury, le monteur. Et il a carrément raison. Bah ouais. Granit Xhaka, bordel. Sa saison à Leverkusen est monstrueuse, mais il passe complètement inaperçu. Le mec est littéralement indispensable à son équipe. Il a démarré absolument tous les matchs de championnat comme titulaire. En même temps, c'est vraiment lui le taulier dans cette équipe quand même assez jeune, 24,8 ans de moyenne d'âge. Dans cette équipe, c'est peut-être celui qui marque le moins, hormis les défenseurs bien sûr, mais c'est certainement celui qui apporte le plus d'équilibre. Bon, Palacio, c'est pas mal non plus. Mais bon, ça passe inaperçu. Certainement parce que Xhaka on connaît depuis longtemps. Peut-être que certains restent sur ses premières saisons mitigées du côté d'Arsenal, sur ses pétages de plomb également. C'est vrai que c'est un joueur qu'on a longtemps considéré comme pas fiable. Mais je pense surtout c'est que toute la lumière est déjà prise. Déjà en grande partie par Xabi Alonso qui est vraiment en train de récolter tous les louanges et à juste titre vraiment vu le travail monumental qu'il est en train de faire dans cette équipe. Puis après t'as toutes les nouvelles stars en fait, hein, que ce soit Florian Wirtz, Boniface, Hoffman, Grimaldo, Frimpong, Palacios, et ça devient compliqué pour ce bon vieux Xhaka d'avoir un petit peu de reconnaissance. Mais nous on est là. Allez, on passe à la vitesse supérieure avec les joueurs bien sous-côté. Un autre joueur qui passe inaperçu auprès du grand public français alors qu'il est absolument monstrueux. Jarrod Bowen. Alors ok, il joue à West Ham, pas le club le plus sexy, je vous l'accorde, mais quand même, avec tous les buts qu'il nous met en PL et pas les plus moches, avec toutes les masterclass qu'il nous a sorties, il y a quand même un petit moment pour en parler quand même. Surtout qu'il a un parcours vraiment admirable ce mec. Pendant très longtemps, personne ne croyait en lui. Aston Villa et Cardiff lui ont fait passer des tests quand il était jeune, recalé à chaque fois. Il n'a jamais pu intégrer un centre de formation. Sa formation, il l'a faite à Hereford United, 5ème division anglaise, division amateur. Ils appellent ça la non-league football. C'est pour dire. Sauf que lui n'a absolument rien lâché, et au bout de 8 matchs dans cette 5ème division, il s'est fait repérer direct par Hull City en Championship. Pas mal quand même, passer de la 5ème à la 2ème division anglaise. Dès sa première saison. Et au bout de 6 saisons à Hull City, c'est David Moyes qui est venu le chercher et lui donner sa chance au plus haut niveau en Première Ligue. 3 ans après, il est l'un des tout meilleurs joueurs de West Ham, il marque but sur but, offre une Coupe d'Europe avec un but à la 90e contre la Fiorentina en finale. On a tout là, le talent, les performances, la belle histoire. Il faut en parler, bordel. Un joueur de Ligue 1 qui revient de loin et qui mériterait un peu plus de louanges désormais, Nabil Bentaleb. Alors c'est vrai, c'est un joueur qui au moment d'exploser au plus haut niveau a complètement loupé le coche. C'est un joueur qui a eu sa petite part sombre. Pas par manque de talent, mais plutôt par manque de patience. Parce que Bentaleb, ça a toujours été un joueur très talentueux, très endurant,
très intelligent sur le terrain. D'ailleurs, il a été repéré très rapidement par Tottenham. Lancé à 19 ans en Première Ligue, transfert à Schalke pour 20 millions d'euros, première saison en Allemagne, cartonne, nomination au classement du Golden Boy 2014. Mais quand l'exigence du très haut niveau s'est faite ressentir, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas vraiment supporté. Écoute ça. C'est ce qu'expliquait le directeur sportif de Schalke, Christian Heidel, à l'époque. Quand Bentaleb ne joue pas, tout va mal pour lui. Quand on gagne 5 buts à 0 et que Nabil ne joue pas, il te fait sentir qu'on a perdu sur le même score. Bonne ambiance. Bref, ses problèmes de comportement vont littéralement plomber sa carrière, à tel point qu'il se retrouve sans contrat et contraint de retrouver la forme avec la réserve d'Angers. Mais au final, c'était peut-être une bonne chose à ce moment-là. Lui-même l'a avoué, ça a fait mal à son ego, mais ça lui a permis de se relancer proprement, de revenir aux fondamentaux, comme on dit. Et vraiment, je trouve qu'il s'est très très bien relancé. Quand on parle du milieu lillois aujourd'hui, on te parle toujours de Benjamin André, mais regardez le mec qui joue juste à côté, c'est pas mal non plus. Ce qui serait pas mal non plus, c'est que tu t'abonnes, amigo, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, et que tu mettes un petit pouce bleu si tu apprécies cette vidéo. Bon, on reste au milieu de terrain, mais on change de dimension. İlkay Gündoğan. Quel joueur, bordel! Ce mec devrait être cité parmi les tout meilleurs milieux de terrain de ces 10 dernières années. Mais pourtant, dans les débats, c'est clairement pas le nom qui ressort en premier, ni en deuxième, ni même quatrième, ni même cinquième en vrai. Le mec sait absolument tout faire au milieu de terrain, volume de jeu, intelligence, qualité de passe, de frappe, mentalité exemplaire, tout ce qu'on peut demander à un milieu moderne, il le fait, et avec excellence. Et puis matez-moi ce palmarès. Champion d'Allemagne avec Dortmund, 5 fois champion d'Angleterre, une Ligue des Champions, 2 finales de Ligue des Champions, on l'a tous vu jouer quand même. Il mérite mieux que ça. Alors ok, c'est le sort classique des milieux de terrain qui jouent de manière un petit peu plus reculée sur le terrain. D'accord. Mais même lors de la saison 2020-2021, où il claquait but sur but avec Manchester City à la mi-saison, entre décembre et janvier. Personne n'en parlait, ou presque. Perso, j'y vois deux raisons. La première, c'est que City, malgré les stars, les titres, le beau jeu, n'est pas un club qui déchaîne les passions en France. Surtout qu'ici, en particulier, on n'apprécie vraiment pas les clubs nouveaux riches. Et la deuxième raison, c'est la classique, le manque de flow. On y revient toujours. Gündoğan, c'est un mec simple. Et ça, c'est pas très vendeur pour nos médias. Allez, on arrive à la catégorie ultime de cette vidéo. Ceux pour qui le grand public n'a vraiment aucune reconnaissance à mon sens. Limite si on leur pisse pas dessus, bordel. Le mec abuse pas du tout sur le teasing. D'ailleurs, restons sur les joueurs en manque de flow. Parce que là, on en tient un bon, si ce n'est le meilleur de la liste. Anthony Gordon. Ah, pour dire que c'était un flop l'année dernière, il y avait du monde, hein. Mais alors cette saison où il enchaîne les masterclass, plus personne. Il n'a pas de tatouage, il n'est pas brésilien, mais le meilleur Anthony de Première Ligue, je suis désolé, c'est clairement lui. À gauche, à droite, ça va vite, ça casse des reins, ça fait les efforts pour l'équipe pour récupérer le ballon, ça marque des buts, ça fait croquer les coéquipiers. Cette saison, Gordon, c'est 10 buts et 8 passes décisives en Première Ligue quand même. Et dans les grands matchs, il est plus que présent, puisqu'il est le deuxième joueur de l'histoire à avoir marqué dans une seule saison contre l'ensemble du Big Six. Le premier, c'était Jamie Vardy en 2018. Pour la petite anecdote. Bref, je vais pas plus m'étendre sur le cas d'Anthony Gordon, je pense que j'ai dit l'essentiel et que le reste, bah en fait je l'ai déjà dit dans le cas d'Alexander Isak. Par contre, petite parenthèse, le potentiel offensif de l'Angleterre actuellement, on peut en parler. Kane, Foden, Grealish, Saka, Palmer, Bellingham, Madison, Gordon et Bowen, c'est juste de la folie, vraiment, ils ont intérêt à faire quelque chose durant l'Euro. D'ailleurs, à cette longue liste d'attaquants, il y a un joueur dont personne ne parle et qui pourrait bien s'y incruster, au tout dernier moment là, juste pour l'Euro. Ah, ça serait une belle surprise, hein, surtout que lui, il revient quand même de très très loin. Dominic Solanke, l'un des plus grands éternels espoirs anglais de ces dernières années, a enfin explosé en Première Ligue. Pour rappel, il est formé à Chelsea, où il avait vraiment une réputation de crack. Vainqueur de l'Euro des moins de 17 ans, dont il finit meilleur buteur, champion du monde des moins de 20 ans, compétition dont il est le meilleur joueur, vainqueur de la Youth League et encore une fois meilleur buteur de la compétition, c'était l'avant-centre du futur, c'était sûr. D'ailleurs je pense qu'en 2016, quand Jurgen Klopp et Michael Edwards flairent le bon coup et le récupèrent en fin de contrat, ils doivent être persuadés d'avoir fait le braquage du siècle. Et bah pas vraiment, un but en 2 saisons. C'est terrible. Bon, ils ont pas tout perdu dans l'histoire, ils ont quand même réussi à récupérer 20 millions d'euros sur lui. Ah, ils ont eu du courage hein, du côté de Bournemouth pour aligner 20 millions d'euros sur un joueur en
telles difficultés, mais aujourd'hui, ils en récoltent les fruits de ce pari. Mais au début, là aussi, ça avait très très mal commencé. 0 but sur les 6 premiers mois, 3 durant la deuxième et une relégation en bonus. En Championship, par contre, là c'est la folie furieuse. Je crois même qu'on peut dire que c'est lui qui a fait remonter le club en première ligue avec cette saison à 29 buts. À ce moment-là, on se dit que ça y est, pour ce retour en première ligue, il est prêt à tout casser. Mais là encore, il va nous sortir une saison assez moyenne. Même pas 10 buts dans la saison, vraiment, on se dit, ok, c'est un très bon joueur de Championship, mais pas plus. Ah bah il nous a bien fait mentir cette saison. 33 matchs, 18 buts en championnat au moment où je tourne cette vidéo. 3ème meilleur buteur de PL devant Salah, Son, Nunez, mais pourtant, pas un mot sur lui. Après, la raison de ce silence est toute trouvée. Il joue à Bournemouth. Qui regarde Bournemouth tous les week-ends ici? Soyez honnête. Et mon dernier, pour terminer, pas un joueur de première ligue cette fois, je sais que j'en ai mis beaucoup dans cette liste aujourd'hui. Non, un joueur de Serie A, un joueur du Napoli plus précisément. Pas Osimhen, clairement, pas Kvaratskhelia, je pense qu'ils n'ont pas de soucis à ce niveau-là. Stanislav Lobotka. Pas grand monde n'en parlait la saison dernière malgré le titre incroyable du Napoli, mais alors cette saison, il est complètement ignoré. Ça me fait de la peine pour lui parce que non seulement c'est un super joueur, mais en plus c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour en arriver là, qui a dû faire sa place au Napoli, ça n'a pas été simple tout de suite. Et j'aurais aimé qu'il ait un petit peu plus de reconnaissance quand même. Mais on ne va pas se mentir, il remplit absolument toutes les cases pour passer inaperçu auprès du grand public. Déjà, c'est un milieu défensif, le poste le plus méprisé du football, il n'a quasiment aucune stat, ni but, ni passe décisive, il n'a jamais joué pour un top club, il joue pour une nation mineure du football. J'ai pas envie de le tacler sur son physique, mais on va dire qu'il est quand même assez peu charismatique. Et l'année où il a brillé le plus au très haut niveau, il a été complètement éclipsé par deux très gros offensifs, Osimhen et Kvaratskhelia. Le mec cumule quand même. Pourtant, c'est un super joueur, fiable, régulier, qui apporte énormément dans le jeu, qui c'est pas juste un gratteur de ballon. Même dans cette saison pas franchement terrible du Napoli, il répond présent. Non, vraiment. Mettons un peu de respect sur son nom quand même. Sinon, il manque un joueur à cette liste. Le joueur qui m'a inspiré cette vidéo. Et c'est un joueur du PSG. Mais bon, j'en ai déjà parlé dans mon dernier ADC Live, mon live YouTube que je fais tous les samedis à 11h30 pour débriefer l'actualité. Donc si tu as loupé ça, ne t'inquiète pas, je t'ai fait un best-of, je t'ai mis ça juste ici, sur ma deuxième chaîne. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!